dame qui était en pèlerinage sur les traces de son père, prisonnier de 14-18, cantonné dans notre commune. Qui reçut spontanément le surnom de Père Noël à cause de son énorme barbe. Peu de temps après, nous apprit que le village avait également surnommé. Celui-là devait s'attendre au privilège d'examiner un véritable boche en chair et en os. La jeune fille me parut fragile. Sa beauté semblait précieuse et vulnérable. Tous les jours, nous étions assis l'un en face de l'autre. Je poursuivais ma lecture, jetant à la dérobée des regards. Et je dis à tous ceux dont j'ai eu à subir des nuits de crachats, pour la plus petite de ces larmes, ils m'ont beaucoup pardonné en ce moment. Travail pour nous sur le domaine, ont dû abattre quelques arbres et les couper en morceaux. De l'occupation pour 5 hommes pendant un certain nombre de jours. Le slogan du pharmacien fut « Ça nous change un peu ». C'est sous le signe de cette formule que se déroulèrent les jours. On va s'imaginer le 11 novembre 1918. Et il n'avait pas la chance d'avoir un beau temps comme aujourd'hui, il y avait beaucoup de brume, hein, beaucoup de brume, ce qui fait que ça change complètement l'ambiance. Qui demande tous les matins si notre notion n'était pas encore arrivée. Le désir de paix et de rapprochement des peuples dans une république. Il faut se souvenir que le texte et les notes ont été prises pendant la guerre 14-18 et que Peters a rédigé l'ouvrage auquel nous faisons référence en 1927. Donc cette attention pacifiste, cette volonté affichée de paix, de rapprochement entre nos peuples, de dire que la guerre est une chose absurde. 2020, qui marque la volonté de la France et de l'Allemagne de se fixer des objectifs ambitieux pour faire de la coopération entre nos deux pays un moteur de croissance durable, européenne et au service des peuples. Le train s'éloigna très vite, nous le perdîmes de vue. Adrien et son monde appartenaient désormais au domaine du temps perdu à rechercher plus tard. Aujourd'hui, presque 100 ans après, ce jour était venu. Et merci d'avoir collaboré à la réussite de cette journée.